Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Google Home avec ses nouvelles applications qui viennent tout juste d'arriver. Et je voulais vous en faire profiter comme d'habitude. J'ai fait énormément de vidéos sur le Google Home. Et aujourd'hui, encore de nouvelles applications viennent de faire leur apparition. Je voulais donc vous les partager. Merci donc de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Ce qui vous permet de recevoir dès l'apparition d'une nouvelle vidéo, une petite notification. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le Google Home et on va lui demander de parler avec RTS Info. Ok, je vous mets en contact avec RTS Info. Bonjour, aujourd'hui je vous propose le décryptage de 4 actualités et une archive du 3 mars 1999. Que souhaitez-vous écouter ? Aide. Oui, bien sûr, je vous propose chaque jour le décryptage de 4 actualités. Mais aussi des sujets similaires en lien avec ces actualités. Et même une archive quotidienne de la RTS issue de nos enregistrements de 1920 à 2010. Vous pouvez par exemple me demander « Parle-moi de l'actualité » ou « Parle-moi de l'archive du jour ». Que souhaitez-vous faire maintenant ? Parle-moi de l'archive du jour. Très bien, voici une archive du 3 mars 1999. André Méry, auteur de « Les végétariens, raison et sentiment, aide de la plage, 3/4 ». Est-ce que la religion et le végétarisme font bon ménage ? Là, au départ, j'en savais pas grand-chose. Et en fait, en écrivant le bouquin, là, j'ai été obligé de me pencher un petit peu sur diverses et religions, Google, divers mouvements... 4 actualités. Voici le sommaire du décryptage du jour. 1. Cécile Kyenge, ministre italienne de l'intégration. 2. Grand débat sur l'initiative Nobilag. 3. Cinéma. Les Noirs dans le cinéma américain. 1/4. 4. Réaction de Pascal Broulli sur la scolarisation de son fils à Lausanne. Quel sujet souhaitez-vous écouter ? 4. Voici le sujet du 3 mars 2018. Réaction de Pascal Broulli sur la scolarisation de son fils à Lausanne. Pascal Broulis, vous êtes avec nous. Des explications qui sont mises aussi... Tout d'abord, oui, dites... je suis très fier de l'enquête faite par la RTS qui confirme que pour l'enclassement de mon fils... Stop. Voilà donc RTS Info. Vous allez pouvoir voir donc pas mal d'informations sous forme de podcast. C'est vraiment très bien fait. Je vous invite à aller essayer cette application sur votre Google Home. Faites-moi un retour en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. On va passer donc à la deuxième. C'est parti donc pour la deuxième application. Pour la deuxième application que l'on retrouve sur notre Google Home, si vous êtes quelqu'un sur Android, cette application va vous plaire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va demander à notre Google Home de parler avec App du jour. L'application du jour d'aujourd'hui est Today's Verse par Crystal Esperluette AMP, Monica. Le verset d'aujourd'hui vous permet d'être plus positif et paisible. L'application d'aujourd'hui a été fièrement mise à votre disposition par Assistant Web Store. Vous pouvez visiter assistant.mij.io pour en savoir plus. Bonne journée. L'application du jour d'aujourd'hui est Space Cats par Muffin and Wright. Space Cats est un voicebook qui vous permet de demander soit une blague de chat, dites-moi une blague de chat, une blague abstraite, dis-moi une blague de l'espace, ou une blague complètement aléatoire, dites-moi une blague Space Cat. C'est un jeu simple, amusant, avec de profondes réflexions sur les chats et l'univers, ainsi que des blagues et des photos de Space Cat. L'application d'aujourd'hui a été fièrement mise à votre disposition par Assistant Web Store. Vous pouvez visiter assistant.mij.io pour en savoir plus. Bonne journée. Voilà, donc comme vous l'avez compris, cette application sur notre Google Home
nous parle des applications du jour que l'on peut trouver sur Android, en téléchargement sur vos tablettes ainsi que sur vos smartphones. On va passer à la petite troisième, ce sera la dernière, c'est parti. Voilà, et ici une petite astuce, comme je vous disais en début de vidéo, si vous avez une tablette sous Android ou un smartphone sous Android, vous allez pouvoir noter vos rendez-vous sur votre agenda via l'assistant Google. Et ensuite, votre rendez-vous ou vos rendez-vous se mettront automatiquement sur votre Google Home. Car aujourd'hui, malheureusement, avec le Google Home, nous ne pouvons pas exécuter cette technique, mais avec notre smartphone, aucun problème. Alors par exemple, je vais lui dire, OK Google, programme pour le 18 mars à 15h, rendez-vous au bureau à Paris. Pour le confirmer, appuyez sur l'écran. Ici, on va se diriger sur le bouton Cancel action, continue with action, bouton. Continuez donc l'action. Détail, l'événement a bien été enregistré. Bureau à Paris, 18 mars 2018, 3h PM, 4h PM. Voilà, on sait maintenant que le rendez-vous est pris. Accueil. Je ferme mon téléphone. Page 1 sur 5 pages par défaut. Page 1 sur 5 pages par défaut. Et je vais interroger mon Google Home. Il y a normalement deux rendez-vous, un le 16 et un le 18. Le micro est de nouveau opérationnel. Quels sont mes rendez-vous au mois de mars? Il y a deux événements dans votre agenda. Le premier événement dans votre agenda est le 16 mars à 15h et est intitulé Bureau. Le deuxième est le 18 mars à 15h et s'intitule Bureau à Paris. Voilà, donc vous avez vu par rapport à votre smartphone ou votre tablette tournant sous Android, vous allez pouvoir mettre l'intégralité de vos rendez-vous et les retrouver sur votre Google Home. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous aura donné envie de la partager avec tous vos amis et surtout à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles aventures du Google Home. Salut! Au plaisir! À bientôt! Salut à tous!